Alors bonjour à tous et à toutes, ici le gamer loser LuigiTel60 pour la suite de ses aventures sur Super Smash Bros. Brawl. Dans l'épisode précédent, tous les héros ont été défoncés une équipe de secours a été créée grâce à Dadidou et ses badges. Et dans cette vidéo, on va continuer notre quête de ramassage de trophées des personnages. Mais cette fois-ci avec un nouveau personnage, bon, voilà, Kirby. Comme je l'avais dit dans la précédente vidéo. Parce que regardez ce qu'il avait bouffé. Un badge du roi Dadidou. Quoi ? Oh, je suis tout seul. Donc en gros, quand vous jouez à deux, souvent, quand vous avez qu'un seul personnage, j'avais oublié de le dire, vous contrôlez le même personnage, en fait. Est-ce que mon... Non. Voilà, comme ça, ça les tue. J'ai pris un marteau, ça sert à rien. Ah oui, merci. Ça fait quelque chose au moins. Oula. Attention là, il faut que je fasse attention. Ah merci, dégage. Normalement il y a Meta Knight, je crois. Ah bah le voilà. Meta Knight, mon ami. Avant, je vais prendre ce truc. Non mais... Là, il faut que je le pète, ça. Allez, toi, tu vas voir ta mère là-bas. Non mais, vous allez me lâcher le cul. Non mais c'est quoi ces mecs énervés? Non mais, c'est bon. Voilà, merci. Purée, mais c'est pas possible. Avec son code barre sur la tête en plus. Ah, elle va mourir. Maintenant, comment je vais faire pour passer? C'est ça la plus grosse question. Ah oui, je suis con. Oula, j'avais oublié l'onde. Bon, bah toi, tu restes en bas, mon... Mais le con, putain. Comment perdre une vie bêtement? Suicidez-vous. C'est plus drôle. Plus je sens, il y aura un gros monstre mont. Il va falloir faire attention parce que d'un côté, je crois, à un moment, il faut briser. Parce qu'il y a un trophée, voilà. Et à cause de cette saloperie, bah voilà. Bon, heureusement, j'ai pu revenir. Parce que sinon, j'aurais été niqué. Voilà. Yoshou. Toi, tu veux me faire un bisou? On va prendre l'autre côté, hein, on sait jamais. Parce qu'il n'y a pas d'ennemis. Bon. Ah merde. Je suis con, j'avais même pas vu le cario. Putain, j'avais même pas vu quoi. Aïe, oui. Ça fait mal les flammes. Aïe. Moi aussi, je vais devenir Mario de feu. Oui, tout privé Blade. J'aurais préféré une vie. Oh non. Non, pas le scrolling. Je sais pas pour vous, mais ces niveaux-là, ça me fait penser un petit peu au niveau dans Kirby Adventure Wii, quand vous jouez avec Kirby en plus. Les niveaux où vous êtes dans une espèce de dimension. Oula, il faut que je fasse gaffe.
au niveau avec une dimension parallèle. Vous avez des espèces d'oiseaux là. Et... putain, mais j'aime pas ces ennemis. Oula. Elle a réussi à casser le Kirby ma pierre quoi. Je sens qu'il y a un autre ennemi. Bon, ça va, c'est un timide. Voilà, crève. Et si ça aurait été un... encore un lancelier là, j'aurais été niqué. Et je serais moulu. Et oui, comme d'habitude. Attention là, je crois qu'il y a un truc. Apparemment, ouais, un ennemi. Oh, regarde, tu m'as pas. Non, allez. Non. Kirby. Voilà, non, tu montes. Merci. Les East Climber. Je regardais quand même s'il n'y avait pas un truc par là. Ouais, j'ai vu le truc en or. Ah mais vous allez vous calmer votre joie là. On va continuer, c'est pas grave. Ah, tu meurs la poupoule. Ah, c'est triste. La poupoule est morte. Et là, c'est moi. Voilà. J'en étais sûr. Je l'ai vu arriver, la mort. La mort m'a tendu la main. Ouh. Continuez. Et comme un Saiyan, je me relève encore plus fort. Et là, je dis ça et je meurs encore. Ce serait complètement épique, quoi, comme action. Enfin, épique pour vous, mais pas pour moi. Je t'ai attrapé. Tu vas devenir ma proie. Allez, crève toi. Mais il est où mon oiseau? Faire comme ça. Aïe, oui, oui, aïe, oui, oui. Et oui, allez, tiens. On va casser tous ces trucs parce que eux ils vont me les briser hein. Tiens, regarde ce que je fais de ton portail. Oh, il va détruire. Non, laissez-moi en vie. Ah là, meurs. Je suis un athlète chinois. Et je vais mourir là. Voilà, merci. Tiens, meurs. Quel dommage d'avoir un gros cul. Oh, tu as un gros cul. Et je te regarde tomber. Un salaud. Hein? Non. Ça me fait délire cette scène. Le vieux Bowser, comment il s'attaque au trophée, quoi. Hein? Qu'est-ce qu'il a? Kirby. Allons-y. Allez, suis-moi.
Le vieux des Didou, comme il chope Kirby, me fait marrer aussi. De toute façon, les ennemis dans Kirby sont vraiment délirants, quoi. C'est pour ça que j'aime bien Daddy Doo. Parce que c'est un monarque un peu débile sur les bords. Un monarque, bah, on va dire, dans le comic, quoi. Comparé à Ganondorf qui fait tout le temps la gueule, lui. Hé, hey, toi. Rends-moi les trophées. Quoi? Regarde là-bas. J'ai une crotte de nez. De car, j'y vais en moto, moi. Parce que c'est comme ça qu'il devrait parler quand il est sur sa moto. Je sais pas si j'arrête là ou pas, parce que je voulais faire... je voulais faire toute cette partie-là dans une seule vidéo. Mais ça risque d'être un long épisode du coup. Pour moi, pour vous peut-être. Je ne sais pas. Parce que il faut faire quand même plusieurs fois le chemin pour trouver tous les monstres, les Stremons. Oh, et puis non, je le fais maintenant. Ce sera plus simple. Qui va-t-on prendre? Ouais, et puis vous savez quoi? Non, on va s'arrêter là. Ouais, je suis un salaud. Et je suis très heureux d'être comme ça. Donc sur ce, c'était tout pour les aventures du Gamer Loser Luigi Tel 60 sur Super Smash Bros. Brawl. Dans l'épisode suivant, on va s'attaquer au grand labyrinthe, la partie finale du jeu. Donc sur ce, moi je vous dis bonne continuation sur YouTube. Ne faites pas dans la vie comme dans les jeux. A plus.